jeudi, la FIFA a dévoilé les noms des 12 joueurs nommés pour remporter le trophée The Best, trophée qui récompense, comme son nom l'indique, le meilleur joueur de la saison. Si les favoris Lionel Messi et Erling Haaland sont logiquement présents dans cette liste, l'absence de Vinicius Junior a, elle, fait beaucoup parler ces derniers jours. Appelé à commenter cette situation, ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a préféré ironiser. « Je l'ai vu l'autre jour, Vinicius, et il pleurait dans le vestiaire. Il a passé 3 ou 4 heures à pleurer, rire, à plaisanter le technicien italien. » Une façon probablement détournée d'exprimer son incompréhension. Au passage, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles encourageantes de Vinicius Junior, blessé lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, le 25 août dernier. Devant la presse, le technicien transalpin s'est montré optimiste en affirmant que le retour du joueur de 23 pourrait être plus rapide que prévu. « Il récupère très bien, il ne faut pas forcer sa récupération, mais il va bien, il augmente la charge de travail. La semaine prochaine, je pense qu'il pourra commencer à travailler avec l'équipe. Je pense qu'il sera rétabli avant les 6 semaines annoncées », a fini par conclure le coach de 64 ans. Après un début de saison décevant, Robert Lewandowski peut craindre de perdre sa place de titulaire avec le Barça. La saison dernière, le FC Barcelone réalisait le très gros coup Robert Lewandowski. La star du Bayern Munich faisait le forcing pour quitter l'Allemagne et ainsi rejoindre le club catalan. Un transfert sur le papier réussi, puisqu'il a marqué 33 buts en 46 matchs, dont 23 buts et 7 passes décisives en Liga, et a ainsi largement contribué au titre en fin de saison. Pourtant, la saison dernière, le Polonais a connu des moments plus compliqués. Malgré ses statistiques impressionnantes, le buteur de 36 ans avait aussi fait preuve de maladresse devant les buts. Et avec un effectif très limité, Xavi ne pouvait pas se permettre d'envoyer Lewandowski sur le banc. Aucun autre numéro 9 n'était disponible derrière lui. Mais cette année, cela devrait être bien différent. Depuis plusieurs mois maintenant, RL9 commence doucement à être au centre des critiques pour ses performances. Depuis le début de l'année 2023, son niveau semble avoir bien chuté aussi bien avec le Barça qu'avec la Pologne où il commence aussi à interroger. Il n'a inscrit que 6 buts sur ses 15 derniers matchs en sélection et 10 sur ses 21 derniers matchs de Liga. Cette saison, il a démarré par 2 buts en 4 rencontres, mais cela ne semble pas convaincre pour autant Xavi. Et selon les informations de sport, le Barça pourrait bientôt décider d'envoyer la star polonaise sur le banc. L'arrivée de Joao Félix offre une option supplémentaire, dans un poste d'attaquant hybride, mais surtout c'est Ferran Torres, qui a marqué des points. L'international espagnol plante des buts sur ce début de saison et Xavi veut profiter de sa forme du moment, 4 buts en 90 minutes de temps de jeu sur ce début de saison. Enfin, même la direction du Barça commence à mettre la pression sur Lewandowski. Récemment, Deco, nouveau directeur sportif des Blaugrana, a expliqué que la pépite brésilienne Vitor Roque pouvait débarquer plus rapidement que prévu au Barça en janvier prochain alors qu'il devait arriver à l'été 2024. Un nouveau concurrent pour Lewandowski donc, et qui pourrait rendre encore un peu plus flou son avenir en cas de contre-performance cette année.